Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 qui, comme les autres places de marché européennes, marque une pause aujourd'hui. Le CAC 40 qui perd donc 0,67% à 5474 points. Malgré les espoirs en matière de vaccins, les inquiétudes sur le front de la pandémie reviennent sur le devant de la scène. Les investisseurs ont en effet assez peu réagi au point d'étape d'AstraZeneca qui annonce que son vaccin présente une réponse immunitaire solide et similaire sur toutes les classes d'âge testées, alors que celui-ci reste pour le moment au stade des tests de phase 2. Au même moment où presque, l'OMS annonçait que la deuxième vague à laquelle font face de nombreux pays devra être combattue sans vaccin. La recrudescence de cas aux États-Unis, qui dépasse à présent les 250 000 morts en lien avec la Covid-19, a poussé plusieurs États à durcir les mesures de restriction. La ville de New York a par exemple fermé tous ses établissements scolaires. Au Japon, la ville de Tokyo est passée en alerte maximale et le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures, notamment concernant le secteur de la restauration. Au sein de l'Union européenne, le blocage du plan de relance par la Hongrie et la Pologne qui refusent que les versements soient liés au respect de l'état de droit ont fait réagir Christine Lagarde. Celle-ci a exhorté les chefs d'État de l'Union européenne à mettre en œuvre au plus vite le plan de relance alors que le continent continue de faire face aux risques sanitaires mais aussi économiques. Christine Lagarde qui a également annoncé que la BCE pourrait prendre de nouvelles mesures fortes en décembre. Côté statistique à présent, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 31 000 pour atteindre 742 000 aux États-Unis contre les 700 000 attendus. L'indice des indicateurs avancés du Conference Board s'inscrit de son côté en hausse de 0,7% en octobre à 108,2 points très exactement, un niveau qui est conforme aux attentes des analystes. Le FMI estime de son côté que l'économie mondiale se redresse tout en prévenant que cette reprise pourrait perdre de l'élan. Le FMI qui constate que la situation économique à venir reste difficile et sujette à des revers. À la place de marché parisienne, au niveau des valeurs, Bouygues annonce une nette amélioration de ses résultats au troisième trimestre, affichant un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros. Le groupe en profite pour réviser à la hausse ses prévisions de croissance pour le second semestre. Il anticipe désormais une marge opérationnelle courante légèrement supérieure à celle du second semestre 2019. Bouygues qui perd ce soir 0,77%. Dans le dossier Unibail Rodamco Westfield, le président du directoire donc d'Unibail, Christophe Cuvillier, quitte ses fonctions. Il sera remplacé par Jean-Marie Tritant dès le 1er janvier, qui occupera durant la phase de transition le poste de directeur général des opérations. Unibail Rodamco Westfield qui perd 3,78% ce soir. CNP Assurance enregistre de son côté un niveau d'activité qualifié de très élevé au troisième trimestre, porté notamment par ses activités au Brésil. Le groupe limite ainsi l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats. CNP Assurance qui affiche tout de même un bénéfice à 918 millions d'euros contre les 987 millions à la même époque en 2019. CNP Assurance pardon, qui perd 0,79%, qui gagne pardon, 0,79% ce soir. Et on finit avec Vallourec qui fait état d'une perte nette de 636 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2020. Le groupe annonce également supprimer 1050 postes et espère trouver un accord sur sa dette d'ici fin février. Vallourec qui perd plus de 10% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, la séance sera pauvre en indicateurs. Tout d'abord, aucune entreprise n'a prévu de publier ses résultats demain. Les investisseurs pourront donc se concentrer sur les prix à la production en Allemagne au mois d'octobre, mais aussi sur l'indice de confiance du consommateur dans la zone euro au mois de novembre. Et à noter que demain sera également la journée des trois sorcières, où arrivent à échéance les options et les futurs.